folie. On s'ennuie. On s'ennuie. J'ai envie de découvrir des petits joujoux. T'as envie de faire du shopping? Oui. Ouais, mais j'ai pas envie d'aller dans les magasins, louloute. Mais des joujoux? Non, mais j'ai pas envie d'aller faire du shopping dans les magasins de jouets. J'ai envie de rester à la maison. Mais c'est marrant de découvrir. Tu veux découvrir les nouveautés? Oh non, Lily, viens, reste là, on fait la sieste. Coucou les filles, ça va? Bah alors, ça larve? Bah oui, Ellie, elle veut découvrir des nouveautés. Moi aussi, j'aimerais bien, mais j'ai pas envie d'aller dans les magasins. J'ai pas envie. Vous avez pas envie d'aller dans les... Alors, attends. Envie de faire du shopping. Attends, je récapitule. Vous avez envie de découvrir des nouveautés. Oui. Mais vous voulez pas aller en magasin. Oui. Oui, ma puce. Alors, en fait, moi, on a envie d'aller chez Cube Petit Plus. J'ai rien compris. Mais bon, si je suis ce que vous m'avez dit, vous avez quand même une grande envie de découvrir des choses sans aller en magasin. Mais écoutez, si vous n'allez pas au magasin, le magasin ira à vous. Regardez ce que j'ai reçu. Wow. Vous savez ce que c'est? C'est quoi? C'est des gigantesques mamans! Effectivement! Mais c'est le présentoir du magasin! Oui, c'est le présentoir du magasin, regardez! Tout, oui, ma puce! Générique direct! Attends, d'abord, je veux juste expliquer à nos petits copains et copines. Et oui, c'est Jockey Preciosi qui nous a envoyé ce présentoir de magasin, c'est incroyable! Trop fort. Alors aujourd'hui, c'est dans cette première vidéo, car nous allons faire deux vidéos, les petits copains et copines, sinon si on ouvrait tout ça dans une seule, ça serait beaucoup trop long. Nous allons ouvrir les boules surprises. Et dans l'autre vidéo, on aura ouvert les squishies. Les berlingots. Donc en fait, ce sont des petits squishies, les moche-moche, voyez, voilà, il y a la marque ici, moche-moche. Ce sont des petits squishies qui représentent des animaux. Elle est à fond, Ellie. Ça représente des animaux d'univers kawaii. Et ce sont des squishies. C'est ça, hein? Regardez. Oh, ta jolie tunique. C'est trop kawaii. C'est kawaii, c'est trop. C'est une nouveauté, ça vient de sortir. C'est oui, oui, c'est ça. Ça vient de sortir en ce début d'année 2019. Alors tu vas pouvoir l'ouvrir si tu nous lances le générique. Et nous revoici les petits copains et les petites copines pour cette giga ouverture de moche. Alors avant, je voulais vous montrer quelque chose. Regardez, ici on a un petit exemple là-haut. Donc voilà à quoi correspond, à quoi ressemble surtout un moche. Donc c'est tout mou, regardez, je vais appuyer dessus. Boing, boing, c'est tout mou. Et c'est accompagné d'un petit accessoire. Donc dans chaque boule, il y a un moche et un accessoire. Ellie a commencé à prendre une boule, c'est parti. Donc Ellie, on te voit plus. Elle avait disparu. Tu voulais enlever l'emballage. Oh, t'as caché par terre. Jette par terre, bah, c'est pas grave. Alors regarde, une petite ficelle. Ouais. Parce que c'est pour accrocher, parce que j'ai vu qu'il y avait un petit trou en haut des petites figurines. D'accord. Et il y a un sticker à l'intérieur de la boule. Et en plus, regarde. C'est rigolo parce que le sticker, il représente une pince, comme dans les fêtes foraines pour attraper les squishies. Trop beau. C'est rigolo. Et donc, il y en a plus de 70 à collectionner, papounette. 70, effectivement, c'est écrit, regarde, mamounette, c'est écrit sur le présentoir. Alors, voyons voir, regardez tout ce qu'il existe. Oh, il n'y en a peut-être pas 70 sur le dépliant, hein, ça m'étonnerait. Alors, ma puce, qu'est-ce que tu as? Déjà, c'est dans le super café, t'as un truc bizarre à l'intérieur. Fais voir. Ah, fais voir. Ah non, mais d'accord! Regarde! Amène-moi là, ma puce! Quelque chose, amène à papa! Fais voir! Ah, mais c'est génial! En fait, c'est un squishy, l'emballage est un squishy, et quand on appuie, il y a le bébé, l'accessoire qui sort. Fais voir, ma puce! Regardez ici, on a une petite citrouille, je vais vous faire la mise au point, voilà, une petite citrouille violette, et ici sur le côté, il y a quelque chose, quand on appuie, qu'est-ce qui se passe? Hop! On a le bébé qui sort, alors, c'est pas un bébé. C'est carrément une tête de petit nounours. Et le petit nounours, lui, est dur. Ah, c'est rigolo! Et quand on arrête d'appuyer, bah, il rentre du coup. Regardez, Stoink. Bonjour. C'est trop rigolo! Ah, c'est super! Ah, c'est trop chou! Ah, je connaissais pas du tout. Alors, mamounette, moi, je connaissais comme ça un porte-clé que j'avais quand j'étais petit. C'était une vache. Et quand on appuyait, pouf, il y avait son caca qui sortait comme ça. C'était rigolo. Aussi. Tu l'as eu? Tout le monde l'a eu, et je moi, crois. Je l'ai pas eu. Ah, c'est rigolo, regardez, Stoink. Ah, génial! Génial, génial. Je t'ai pas montré la boule, comment elle se présentait. Oui, montre-moi. Alors voilà. Voici comment se présente la boule. Donc c'est une boule surprise avec ouverture facile sur le côté. J'écris moche.
so soft, so cute, so mage. Ah, trop beau, trop kawaii, sérieusement. C'est génial. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer un petit tabouret ici pour Ellie, parce qu'à chaque fois, elle se sent obligée d'aller l'ouvrir là-bas. Alors elle est toute seule, la pauvre. Bon, les petits copains et copines, on revient. Et nous revoici, nous avons installé Elise dans un petit fauteuil, elle est plus confortablement assise, ça va beaucoup mieux. Et là, ben, on y va, on ouvre. Les petits stickers sont différents à chaque fois, Papounet. Ah ouais, trop beau. Regarde, hop. Ah oui, là, il y a un petit tigre. Ah, Elise a trouvé quelque chose de nouveau. C'est un canard. Un canard. Alors voici le petit canard. Effectivement, c'est un petit canard, regardez. Et qu'est-ce qu'il a dans la tête, celui-là? Oh, il a un poisson, non, qu'est-ce que c'est? Oh non, un tigre. Un chat. Un tigre. Eh oui, c'est ce qu'on voit sur le... C'est un chat, tu penses? Ouais, c'est un petit chouette. Chat. Et le chat, il est transparent, il est beau. Oh, c'est rigolo. J'adore. Ouais, c'est un super concept. Oh là là, on a trop de chance. Trop bien. Allez, suivant. Oh là 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 là, regardez. C'est un cupcake trop rigolo. Et quand on appuie sur sa tête, il y a le petit accessoire qui sort. Et c'est une licorne. Regardez la petite licorne. Trop mignonne. Waouh, eh ben c'est super! Des amis! Bon, allez, suivant! Des amis! Qu'est-ce que c'est, des amis? Fais voir, alors on a encore un nouveau sticker! Ouais, alors là, ils sont 3, 4 même! Waouh! Allez, vas-y, Mamounette! Qu'est-ce que c'est? Un olophant! Et le bébé, c'est un éléphant! Un olophant! Un olophant! Oui, un olophant! Merci, ma puce! Alors, on va regarder cet olophant! Ça ressemble à un éléphant, sauf que c'est bleu! Voilà, c'est la différence. Et quand on appuie dessus, ça sort dessous. Regardez bien. Oh, ting, un bébé éléphant dedans. Oh, c'est rigolo, c'est son bébé. Regardez, j'appuie. Ting. Oh, le bébé éléphant. Ding. La maman éléphant a accouché. C'est rigolo comme tout. Oh là là, c'est bien trouvé. Donc voici un éléphant. C'est le même, sauf qu'il est... C'est un petit chien. C'est un petit chien? Fais voir. Oh là là, Ellie, ça va lui faire du sport, hein, de se lever comme ça à chaque fois. Voyons voir. Ah oui, c'est un petit chien trop mignon. Il a une tache sur l'œil, il est vert. Et quand on appuie, oh, il y a son bébé. Mais alors, son bébé, c'est un ourson. C'est rigolo. C'est rigolo. Alors, on remercie beaucoup Jockey Preciosi pour cette ouverture. Franchement, merci de nous avoir envoyé ça. C'est trop gentil. Bien. Ah, c'est bien, on a des boules rouges, des boules jaunes et des boules mint. Waouh! Hein. On a ouvert ces trois couleurs. Même les emballages sont différents. Oui, ma puce, tu n'y arrives pas? Elle galère, Ellie, avec les emballages. On a plein de stickers différents. On va pouvoir en coller de partout. Un singe? Non! Fais voir! Merci, ma puce. Regardez ce petit singe. Oh, il est mignon! Oh, il est trop mignon! Oh, j'adore! Et en plus, vous savez quoi? Il a la cicatrice d'Harry Potter, là. Ouais. C'est singe Potter. Potter manquait. Et alors lui, quand on appuie, qu'est-ce qui se passe? Ting. Oh, il fait un œuf. Non, je pense qu'il est à l'envers. Regardez. Ting. Oh, c'est mignon, c'est une abeille. Alors attendez, la mise au point, c'est pas faite, je recommence. Voilà, regardez, c'est une petite abeille. Oh, elle est trop mimi, l'abeille. C'est une petite abeille. Oh là 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 là, c'est génial. Alors, quand c'est à l'envers, comme ça, pas de souci, on peut retourner, hein. Hop, on s'agit un petit peu comme ça, voilà. Et on l'a à l'endroit. Ping, voilà. Ah, c'est génial. Bon, on passe à la suite. Qui est-ce que t'as eu? J'ai mangé sa miaou et bah, on est bien cochon. Non. Un chacha miaou. Un chacha. Fais voir ce que c'est un chacha miaou. Alors, voici un chacha miaou. Oh, c'est beau. Oh, c'est kawaii. Waouh, alors ça, c'est super kawaii. C'est effectivement à mi-chemin entre le chat, le cheveu d'Elie sur le côté, là, vous voyez, voilà, je l'enlève, hein. Enfin, j'essaye de l'enlever. Oh, ben, il s'est entouré. T'as perdu un cheveu, ma puce, hein. Donc, c'est à mi-chemin entre le chat, l'ourson, mais l'ourson qui a intégré le groupe Kiss, vous savez, le groupe de hard rocker. Regarde, ma mounette. Regarde. Chouette. Il a le maquillage. Alors, lui, je me demande ce qu'il va faire si j'appuie. Ah, qu'est-ce que c'est? Un petit cochon. Oh non, un petit cochon rose. C'est trop rigolo. Bon, ensuite, ah, tu veux que je t'aide? Alors, Ellie a du mal à ouvrir celui-là, je vais l'aider. Hop là, tiens ma puce. Vas-y. Pour le moment, il n'a pas de double. Pour le moment, aucun double. Alors, qu'est-ce que tu as eu? Est-ce qu'on l'a eu déjà, celui-là? Non, on l'a pas eu. Qu'est-ce que c'est? Encore un petit ours? Un petit ourson kawaii, bleu. Il est mignon.
Alors qu'est-ce qu'il a celui-là? Ah, il a l'envers celui-là aussi. Là, je vois des... Tac. Oh, il a fait un petit bébé rouge. Oh, il est beau, hein. Oh là là, il est très très beau. Alors lui aussi, on va le remettre à l'endroit. Hop là. Comme ça, ça sera plus joli. Et maintenant, quand on appuie dessus, ping. Oh, c'est mignon comme tout. Super. Ensuite. Un petit arc-en-ciel. Un arc-en-ciel. Fais voir, mais c'est un oiseau, c'est quoi? Non, c'est un arc-en-ciel. Effectivement, c'est un animal arc-en-ciel. Mamounette, tu penses que c'est quoi comme animal? C'est une machine à ouvrir les boules, moi. C'est vrai? Alors attends, elle, c'est sur le côté, j'appuie. Hop, décidément, ils sont tous à l'envers. Je le retourne. Oh, il y a un petit chat dedans. Regardez, c'est un tout petit chat. Trop mignon. On a eu un rare. Tu crois qu'on a eu un rare? Moi, je pense que déjà, ça c'est rare parce que franchement, j'ai jamais vu d'animaux arc-en-ciel. Qu'est-ce que c'est? Wow. Quand les bébés sont pailletés, ça veut dire que c'est un rare. D'accord. C'est toi, tu connais déjà. Alors qu'est-ce que c'est? Voyons voir. Oh, c'est un ours. Eh ben en fait, écoute Mamounette, ça, le squishy, il est classique, tu vois. Il est tout à fait classique. Mais quand on appuie, le petit accessoire qui est dedans, il est pailleté. Regardez, petits copains et copines, j'essaye de vous montrer les paillettes. Je pense que vous le voyez. Waouh. Donc c'est son bébé. Qui est pailleté, c'est exactement le même, mais en pailleté, c'est trop mignon. Wally est à fond. Je pense qu'elle en a découvert un autre. Alors, en fait, c'est un petit. Qu'est-ce que c'est? Un petit panda. Ouais. Son bébé, c'est un. C'est quoi son bébé? Je te dis pas. Tu ne dis pas, on va le découvrir. C'est un chien. C'est un chien. Merci de ne pas nous le dire. Alors, regardez. Un petit panda orange et jaune, trop mignon. Et quand j'appuie, alors il paraît que c'est un chien, on va voir. Oh, c'est mignon comme tout. C'est pas un chien, ma puce. Un panda. Ouais, c'est encore un panda, mais regardez ses yeux. Ils sont en forme de cœur. Oh, c'est mignon. Ding, 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 ding. Alors c'est rigolo parce que ça, c'est une bulle qui est très costaude. Hein. Très, très, très costaude. On peut pas l'éclater. Ça craint rien. Oh, wow. Bah parce qu'il faudrait la couper avec un ciseau, mais bon, là, il faudrait être des vrais barbares. Hein. Oui, ma. Que je viens d'ouvrir. C'est quoi? Il est trop beau. C'est quoi? C'est un petit tigre dans un costume de poule, de poussin, et à l'intérieur, il y a un citron. Il est hyper piqué. Oui, mais on va le voir, de toute façon, on va le voir de près. Il reste encore beaucoup, disons, les boules. C'est un bébé rouge. Un bébé rouge. Oh, Mamounette, elle en prend deux d'un coup. On l'a vu, hein. Les bébés, c'est un bébé tout simple, comme moi, quand je suis toute petite. D'accord. Et c'est un petit poussin, donc c'est un petit tigre. Oh, je viens de vous expliquer. Oui, regardez, il est trop mignon. C'est vrai que c'est un petit tigre avec un costume de poussin. Et alors, qu'est-ce que c'est son jouet? Ah bah, il y a encore un cheveu d'Elie, mais Elie, tu perds tous tes cheveux. Qu'est-ce que c'est dedans? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est mignon. Oh, t'es mignon. Regardez. Regardez-moi ça, c'est un petit lapin. C'est un petit lapin, il a des grandes oreilles. Avec une petite mèche, là. Regardez, oh, c'est rigolo. Oh là là, ah ben là, on le voit mieux comme ça, regardez. Un petit lapin avec une mèche. Oh, c'est trop mignon. Oh, trop bien. Oh, on a un éclair. Un éclair? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça, un éclair? Je la vois pas, derrière. Oh non, il est trop chou. Va montrer à papa. Ah ouais, je veux le voir, celui-là. Et ton bébé, c'est un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel? Waouh, parce qu'après la pluie, il y a le beau temps. Regardez, petite copine, c'est un nuage. Un nuage orageux. Regardez, il n'est pas content, on dirait qu'il fait caca. Moi, quand je fais caca, je fais un peu cette tête. Et donc, après la pluie, qu'est-ce qui vient? Le beau temps. Et après le blottant. Le blottant. Après le blottant, vient l'arc-en-ciel. Ben, voici l'arc-en-ciel. Alors, attendez, je me mets un peu plus loin parce qu'il a du mal à faire la mise au point aujourd'hui. Voilà. Vous voyez l'arc-en-ciel? Il est trop beau. Il s'est mis en RTT, l'appareil photo. L'appareil photo, il en peut plus. Il a trop fait de vidéos. Donc, Elie vient de m'apporter un autre petit moche-moche. Retenez bien ce nom, les petits copains et copines. Moche-moche, c'est rigolo. Moche-moche. Donc là, c'est un tigre. Hein. Celui-là, il n'a pas le costume d'oiseau. Hein. Il n'a pas le costume. Il n'est pas au bal masqué. Et qu'est-ce qu'il va nous faire? Voyons voir. Ah, c'est jaune. C'est jaune. Ah ben, tout simplement, ben oui, on aurait dû prévoir. Il nous fait un poussin, celui-là. Celui-là, il n'a pas le costume. Il a carrément le poussin. Regardez. Waouh! Donc en fait, il y a bien un thème à chaque fois. Les animaux entre eux ont des connexions. Hein. C'est balèze, c'est balèze, c'est balèze. Allez, suivant! Alors, c'est une petite souris avec le bébé, c'est une casquette.
D'accord, donc Ellie qui est à côté de moi m'explique que c'est une petite souris. Je sais pas si c'est une souris, en tout cas c'est mignon. Hein. C'est violet, on voit ici qu'elle a une petite mèche, regardez. Et quand on appuie, qu'est-ce que c'est? C'est vert. Oh déjà, les couleurs se marient super bien. Ah, c'est une pastèque. C'est une pastèque verte, regardez. Hop là, une jolie pastèque verte. Ah, oh, c'est mignon, alors on va la retourner elle aussi. Comme ça elle sortira dans le bon sens. Non. Voilà. Ah, oh, c'est mignon. C'est trop bien. Bon allez, on passe à la suite. Une licorne. Une licorne? Non. Une licorne? J'y crois pas. Ah, une sirène? Et une sirène et un narval? Son bébé, c'est tu sais quoi? Non. Un panda. Un panda? Fais voir. Merci, waku, ma puce. Waku. Alors, waku waku, ça ressemble un petit peu à Pac-Man, Mamounette, ce que tu fais là. C'est normal? Non, mais ça me faisait rire. Bon, d'accord. Moi, je m'attendais à Pac-Man, maintenant je suis déçu. Non, kawaii. Alors, regardez, les petits copains et copines, voici la fameuse licorne. Elle a raison, Ellie. C'est une licorne, regardez. Oh là là, elle est trop trop belle. Regardez-moi ça. Elle sourit. Et quand on appuie, hop là, un petit ourson blanc. Moi j'aime bien quand ça sort sur le côté comme ça. Je préfère quand c'est sur le côté que dessus. Ouais. C'est mieux rigolo. On dirait que ça sort de son oreille, regardez. Doing, doing, doing. Trop mignon. Alors qu'est-ce qui t'arrive, ma puce? Dans à nouveau ma vie, on a pas de double. Mais quand même, son bébé c'est un panda. Son bébé c'est un. C'est quoi son bébé? Un requin? Non. C'est un requin? On va regarder ça. Donc effectivement, c'est encore un petit panda, un petit ourson. Trop mignon. Et quand on appuie, alors Ellie me dit que c'est un requin. Voyons voir. Alors attendez, il est à l'envers. Bah c'est pas un requin. Bah c'est encore un panda bleu. C'est un chat. C'est un chien, on dirait. Bon, t'as raison, c'est un chien. C'est un chien, regarde. Ouais, 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 c'est un chat chien. Et ça, c'est un petit chat. C'est un petit chat, ça, tu penses? Ok, ok. Moi, je suis ton inspiration. Ah, et celui-là? Sur lui, on ne vous l'a pas montré, mais lui, c'est le petit chat et il a fait un bébé chat. Fais voir. Alors là, Mamounette s'est amusée à mettre la petite ficelle. Oui, c'est bien. À chaque fois, on a une petite ficelle pour pouvoir l'accrocher en porte-clé, sur un sac et tout. C'est trop chouette. C'est vrai qu'on les mettra tous. Hein. Et là, donc, on a un petit tigre. On ne sait pas trop ce que c'est. En tout cas, il a des petits traits là. Moi, je pense que c'est un tigre violet. Et quand on appuie. Hop, alors il est à l'envers lui aussi, décidément on n'a pas de chance. Ah oui, c'est un petit ourson, un petit chat, on sait pas trop, il a des petites moustaches. Waouh, alors lui aussi on va le retourner, hop là, comme ça il sera dans le bon sens. Voilà, c'est mieux. Tang, 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 tang. On peut le faire à l'infini. C'est trop bien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un panda. Un panda blanc. On a eu 0 double. Hein. Je sais pas si vous en rendez compte. Je crois qu'on a la collection complète. Non, on en a pas 70 là. Mais on a une bonne partie de la collection. Alors regardez celui-là. Oh, il a les yeux en forme de cœur. Alors on va appuyer pour voir ce qu'il y a dedans. Hop. Oh, il a un bébé panda en forme de cœur aussi, les yeux. Hein. Donc c'est son bébé. Voilà. C'est vraiment son petit bébé. C'est mignon comme tout. Allez, on passe à la suite. Alors, Ellie est à côté de moi. Elle est impatiente de nous montrer le prochain. Panda, une étoile. Le bébé, c'est un panda qui fait haut et qu'il y a une étoile sur l'œil. D'accord, vous avez compris? Explication d'Elise, alors. Ah, mais c'est ça, hein, regarde, Mamounette. C'est un panda qui fait haut et qui a une étoile sur l'œil. Donc voilà, un panda tout rose, trop mignon. On va appuyer pour voir là aussi. Alors, je pense que ça va être à l'envers, comme d'habitude. Ah, bah oui, c'est à l'envers. Ah, bah je vais le retourner cette fois. Oh non. Par contre, j'adore la couleur. Oh, regardez cette couleur rose. Waouh, c'est magnifique. Donc c'est un petit panda identique. Alors derrière ça s'agite, je sais pas ce qui se passe. Regardez, il y a des étoiles sur les yeux des deux petites figurines. Donc c'est bien son bébé. Bon alors qu'est-ce qui s'est passé là-bas derrière? J'ai entendu des cris. Il a découvert un animal préféré. Dis-moi pas que c'est un panda. Non, c'est pas mon animal préféré, papa. Ouh, heureusement qu'on n'est pas dans les amours. Ah non, c'est pas un panda, c'est un koala. C'est un koala. Ah oui, c'est un koala, tu sais bien, papa. Tu sais bien que je confonds toujours les le deux. Bébé. Alors, Ellie me l'a apporté. Ah d'accord, c'est une pastèque. Oh, elle est vieille, elle a une position. De... Ah, c'est dur, hein. Mais regarde, Mamounette, on arrive à la fin. Donc, voici le panda. Voici le panda, regardez, il est trop mignon, lui aussi. C'est vrai que... Non, c'est un koala. C'est un koala.
Mais de toute façon, à mon avis, j'y arriverai jamais. Entre non. Koala et Panda, non. Pour moi, c'est la même chose. Ça ne peut pas rentrer. Ça rentrera jamais. Alors, voici un panda là ou un koala pas là. Il y a des choses comme ça, ça peut pas rentrer. Il y a des choses. 2 fois 2, 4, ça rentre. Ouais. Mais 9 fois 6, ça rentre pas. 6 fois 9, 54 ? Non ? Oh là là, allez. Voici le panda. On n'est pas là pour faire des maths, hein. On est là pour découvrir des moches. Alors, lui, quand on appuie. Oh, regardez, c'est trop mignon. C'est une petite abeille. Regardez la petite abeille. Dans un pays de tous les temps, pour une somme. Elle est trop mignonne. Alors ce que j'adore moi dans les petits, dans les petites figurines comme ça, c'est qu'elles sont transparentes et glitter, un peu brillantes, on dirait des bonbons. On dirait des bonbons. Ouais, c'est trop beau. On a envie de les manger. Ouais, mais il faut surtout pas les manger, les petits copains et copines. Je sais pas, Mamounette, à partir de quel âge on peut utiliser ces boules? Ellie le sait. Tu le sais, Ellie? Plus de 5 ans. 5 ans, donc il faut avoir 5 ans. Donc Ellie, elle a 5 ans, c'est bon, c'est bon. Tu sais très bien qu'il faut pas manger. Il y a dans les moches. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a, Mamounette? Eh ben, Ellie, je suis en désolé, hein. Tu sais pas, ça l'a pas dépassé la coquine? Ah non, j'en vois un par terre là-bas. J'en vois un par terre, un blanc là-bas par terre là. C'est pas le tien, tu l'as vu. Oh, on l'a déjà vu celui-là? D'accord. Oh, Mamounette en a déjà ouvert deux. Tiens, je te les passe pas. Ah merci. Tu veux me les faire découvrir, Ellie, ou je les montre directement? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un petit cœur sur le côté gauche. Oh, petit souris. Alors ça, on ne sait pas ce que c'est comme animal. Hein. Un crâne d'œuf. C'est peut-être un blanc d'œuf. Ah oui, c'est un œuf qu'on a cassé. Ça, c'est le blanc et ça, c'est le jaune. Donc, il y a peut-être un poussin là-dedans. Ah oui, c'est ça, regardez. Il y a un poussin. Ah bah alors là, je m'épate. J'ai trouvé ce que c'était. Je m'épate moi-même. Ah, je m'épate moi-même. Donc ça, c'est un œuf sur le plat, peut-être. Et dedans, bah, il y a un poussin. Logique. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, Mamounette m'en a fait passer un. Je regarde ce que c'est. Hop. Et Ellie aussi, ah bah deux d'un coup, allez, ça va aller plus vite. Oh non, regardez comme ils sont mignons. Oh là 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 là, ils sont trop beaux. Oh, il y en a un qui a des étoiles, l'autre il a des petites lunes, on sait pas trop ce que c'est. Alors on va regarder celui-ci. Regarde, c'est quoi ça? C'est des lunes. C'est des lunes? Bon, c'est des lunes. Et quand on appuie. Des U. Des U. Ah oui, c'est des U. Alors quand on appuie, je vais le remettre à l'endroit. On a son bébé parfait. Regardez. Regardez, c'est un petit bébé qui a des U aussi. Je sais pas si vous voyez. Oh, il est mignon comme tout. Regardez ça. C'est magnifique. Super beau côté. Ah ouais, là. Assuré. Beau concept. Jamais vu en plus. On va regarder celui-là maintenant. Alors peut-être que ce sera pareil. Encore un cheveu d'Ellie. Mais décidément, c'est Ellie. C'est le même en fait. C'est le même qui suit. Le cheveu maudit. Il peut se coller sur les squishies. Et là, ah, c'est pas le même. Si chez vous aussi vous avez la boue ou le cheveu maudit, dites-le moi. Alors regardez. Là, c'est un peu. On l'a déjà vu en fait. Regardez bien. Tac, voilà, ça c'est le petit lapin rose avec la petite mèche. Donc il doit y avoir le papa et la maman pas loin. Alors regardez, voilà, hein, ça c'est magnifique, on l'avait pas eu non plus. Super. Elle est en train de se faire des petites histoires. Déjà ? Vous n'entendez pas parce qu'elle est loin de la caméra. Je l'adore trop, je vais la bouffer. Et là regardez celui-là, il a aussi des U, mais mis différemment. Lui c'est sur la tête. Donc on va voir son petit accessoire. Regardez! Oh, c'est trop beau! C'est pareil! Regardez! Regardez, regardez! Double. Dorine, 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 c'est double. Le même petit accessoire. On a eu un double! Donc c'est son bébé. On a eu un double? Oh non, c'est pas un double! C'est pas un double! Attends, fais voir. Ça, c'est l'ancien. Celui-là, on l'a déjà vu. Hein. Celui-là, on l'a déjà vu, ok? Et on a eu celui-là. Donc il doit y avoir le papa et la maman. Oh, c'est trop mignon! Oh là là! Alors quand on appuie, qu'est-ce qu'on a? On a un petit chat. On a un petit chat, je suis sûr que c'est un petit chat. Voyons voir. Ah non, c'est une licorne, regardez, c'est une petite licorne. Trop beau, trop beau, trop beau. Waouh. Alors Ellie m'en apporte un autre. Oh, une coccinelle. Une coccinelle, j'adore. J'adore, une coccinelle rose. Appuyons. Qu'est-ce que c'est? Voilà, ça c'est mignon. Je sais pas ce que c'est mignon. On dirait un petit lapin, je suis pas sûr. Ouais, c'est un petit lapin bleu. Oh, mais c'est trop mignon! Une coccinelle qui est la maman d'un lapin, on n'aura jamais vu ça. Hein. Est-ce qu'on en a encore à ouvrir, Mamounette? Parce que je vois. Oh non, regarde mon bébé là! Oh là là, j'ai cru que c'était un double, mais c'est pas un double! Oh, deux tigres! Donc là, on a le tigre de tout à l'heure que Ellie nous a rapporté. Donc je sais plus ce qu'il y avait dedans d'ailleurs. Il y avait un petit poussin. Et là, on a le nouveau, quand on appuie. Oh, dedans, il y a un petit ourson. J'en étais sûre. C'est trop beau! Trop beau, trop beau. Un cupcake et le bébé, c'est un. C'est quoi?
Tu sais pas, t'as pas ouvert. Alors là, on a un deuxième cupcake. Tout à l'heure, on en avait un. Là, il est différent. Celui-là, il a d'autres couleurs, on va dire. Et qu'est-ce qui t'arrive, Mamounette? Je suis trop petite, alors faut que je t'arrive pas. Il en reste combien, Mamounette? Il en reste 4, 5, 6. Et il y a quelques sachets vers elle. Bon, une petite dizaine encore. Vers la fin. Bon, on va regarder quel est l'accessoire qui est à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? C'est quoi? Voyons voir, voyons voir. Oh, c'est un petit lapin jaune, regardez. Un tout petit lapin jaune. Qu'il est mignon. Oh, c'est trop rigolo. Ah bah tiens, derrière, on a une petite Ellie. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Alors, pourquoi tu me les apportes par deux? Je comprends plus rien, moi. Il y en a pas qu'on a déjà vu, là? Oui, je sais pas pourquoi elle va les reprendre. Je sais pas. Alors déjà que la vidéo va être très longue parce qu'il y en a beaucoup. En plus, elles vous ramènent des... Ils sont pareils. Ah, tu crois que c'est les mêmes? Elles se ressemblent. Ah d'accord. Parce qu'ils se ressemblent un petit peu. Ouais, bof. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh là là, celui-là a l'air magnifique. Regardez-moi ce petit chat. Alors quand on appuie, hop là, on a un accessoire violet qui sort. C'est un petit tigre violet. Oh, il est mignon comme tout. Trop beau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On arrive vers la fin. Hein. Oh, c'est pas les dernières boules. Mais ça, on l'a pas déjà vu celui-là, Ellie? Non. Je sais pas ce qu'elle me fait, Ellie. Elle me reprend ce qu'on a déjà vu. T'es sûr? Bon, bah, alors c'est une licorne. D'accord, donc c'est une licorne. Et dedans, il y a un arc-en-ciel. Logique pour une licorne. Hein. Logique. Arc-en-ciel, licorne, ça va ensemble. Hein. C'est trop marrant. Ok. Oh, un morse. Ouais, c'est un morse, ça, non? Regarde, il a des dents. Ah oui. C'est un morse. Donc ça vit sur l'Antarctique. Donc qu'est-ce qu'il pourrait y avoir là-dedans? Peut-être un glaçon? Non, je sais pas, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Un ours! Un petit ours! Oh, un petit ours violet! Trop mignon. Qu'est-ce qui t'arrive, Mamounette? Regarde, je sais pas si tu peux voir le massacre. Voyons voir le massacre. Ok! Ok! On peut dire qu'il y a de l'emballage. Alors là, il m'apporte... qu'est-ce que c'est que ça? Un petit ourson blanc. Oh, qu'il est mignon! Ah, je crois qu'elle a eu quelque chose de super. On a eu un rat. C'est vrai? Regarde, il est là-haut. Alors, attends. Alors ça, c'est un petit ourson, regardez. Et quand j'appuie, hop, il y a son bébé direct. C'est exactement le même. Avec la petite tache au même endroit, tout pareil. Ellie m'en avait apporté un autre. C'est une boule de billard. Alors là, je sais pas où est passé l'animal. Il est peut-être dedans, mais c'est une boule de billard, la boule numéro 8. Alors, je me demande ce qu'il y a dedans, hein, franchement. Ah, oui, c'est un rare. Oh là là. C'est quoi? Regarde. Tu sais ce que c'est, ma puce? Une licorne. Une licorne glitter. Regardez. Oh, elle brille, elle est magnifique. Regardez ça. Alors ça, c'est sûr, c'est un rare. C'est un rare, c'est très très beau. Chouette, hein? Ouais, super beau. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, on a le mouton blanc. C'est vrai, on a eu celui du présentoir? Oui. Donc regardez, oui, le petit mouton blanc. Il est magnifique. Et quand on appuie, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, quelque chose de rose. On va le retourner. Ah bah, décidément, bah, il veut se cacher. Un autre mouton rose, regardez. Oh, c'est mignon. Tu es mignon. Donc là, c'est vraiment la maman, hein, parce qu'on a la maman qui accouche d'un petit mouton rose. Oh, c'est rigolo. Dis ma puce. Alors, en fait, il y a un bébé, mais on l'a jamais vu dans cette petite boîte. Ouais. Il y a un bébé et un papa. Waouh. Ah, celui tout là-haut. Est-ce qu'il en reste? Non, ça y est, Ellie, tu as fait. On a fini? Voilà. Ah bah, il va falloir ouvrir celui qui est tout là-haut, Mamounette. Oui. Allez, vas-y. Alors, allez, Mamounette. On va essayer. Au boulot. On va faire doucement pour pas tout abîmer. Hop. Hop. Alors, j'accède. Oh, ah, celui-là, mais regarde, il est vide. Et oui. Alors, voyons voir. Celui-là, c'est juste l'exemple. Fais voir, ma puce. En fait, il n'y a rien parce que c'est le bébé qui est là-bas. Et oui, ça, c'est juste l'exemple. Donc, on a le petit moche-moche. Et le petit bébé à côté. Alors voilà, vous allez voir de plus près à quoi ressemblent ces petits moche-moches. Donc, on a à droite le moche-moche en plastique. À gauche, le moche-moche extrait du moche-moche, en fait. Hein. L'autre partie du moche-moche, voilà. Le moche-moche mini. Le mini moche-moche. Alors, voilà. On a un double. Et donc, on l'a eu quand même. Oui, tu as raison, ma puce. On l'a eu en vrai, le voici. Et ça, c'était le faux. Et donc, quand on appuie, est-ce qu'on a le même? Ah, on n'a pas le même. Si, on a le même. On a le même petit accessoire. Exactement le même. Donc, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre dedans. Voilà. Hop. Quoi, c'est quoi ce truc? Voilà, on va lui mettre dedans. Comme ça, il l'aura. Et voilà. Et la prochaine vidéo, on vous présente ça.
Mais voilà. Oui, Ellie est impatiente d'ouvrir les petits berlingots, c'est normal. Donc moi je suis très content parce qu'on a eu 0-0-0 double. Donc les petits copains, les petites copines, si vous achetez des petits moche-moche dans les présentoirs, vous n'aurez pas de double. Ouais. C'est le même présentoir. Pas de double. A priori, tout ira bien. Alors, on a eu un double au milieu des étoiles. On a eu un double, tu crois? C'est les petites étoiles et tout et tout. Moi je me souviens pas de double, hein. Bon, Ellie, si tu te trouves le double, montre-nous-le, mais à mon avis, il n'y en a pas. Bon, les petits copains et copines, j'espère que cette ouverture, cette giga ouverture de Moche Moche vous a plu. De boules surprises Moche Moche. Trop bien. Donc, on vous l'a dit, ceci est la première partie de la vidéo. Dans la seconde partie, nous allons ouvrir les Moche Moche dans les berlingots. Donc, nous allons enchaîner tout de suite. Vous, ce sera dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez, commentez. Dites-nous en commentaire quel est le Moche Moche que vous avez préféré. Si vous arrivez à nous le décrire, parce que c'est pas facile, hein, ils sont bizarres. Moi, je crois que c'était la boule numéro 8. J'ai trouvé ça super, super sympa. Ah, c'est le koala. C'est le koala, toi? Ouais. Moi, c'est ça. Elle est toute simple et en fait, dedans, il y a un glitter. J'aime trop. Bon, bah voilà, Mamounette. Alors, elle me fait passer celui de Mamounette. Et tiens, mon amour, c'est voilà. Lequel? Tu crois que c'est quel? Je sais pas. Il y en a tellement. Toi. Moi je pense que c'est le tigre. Ah, Ellie est en train de chercher. Je vous dis pas là dans sa tête. Il y en a tellement. C'est celui-là le tien, ton préféré. Voici le préféré d'Ellie. Le petit tigre qui fait un petit poussin. Ok, bon, on se laisse sur quoi? Bah, sur nos trois préférés. Sur les moches moches. Allez, sur celui-là. Mon préféré. Ah, t'as changé, c'est sur celui-là. Attends. Ellie, elle a tout fracassé. C'est l'ouverture. C'est la fin la plus terrible qu'on ait jamais faite. Alors, voici le préféré d'Ellie finalement. Alors, on se laisse sur celui-là. On se laisse sur ces deux-là. Allez, sur ces deux-là. C'est parti. Oh, les moches moches.